Bonjour à tous et à toutes, c'est Liquidoslot 666 pour la vidéo que vous attendiez tous. La vidéo explication de ma chaîne, la vraie vidéo, donc pas du tout la même que pour le Fanta Bob Friends, parce que bon, le Fanta Bob Friends c'était du condensé, c'était du 50 secondes. Donc voilà, là je reviens juste de chez ma grand-mère à Grenoble, donc on va tout de suite commencer par ce point, même si je pense que les nouveaux abonnés. Ah oui, par contre j'étais en train, oui voilà, j'ai pas voilà. Moi c'est ça, c'est vraiment je fais un truc sur un coup de tête, je prépare rien, et à chaque fois, à toutes mes vidéos depuis le début de la création de ma chaîne, il fait nuit. Super. Voilà, on va déjà commencer par la galère. Donc pour ceux qui ont regardé mes autres vidéos, vous le savez, le fail c'est ma spécialité. Donc comme je disais, ouais. Ouais, moi le but de mes vidéos, si elles sont pas préparées, je les fais sur un coup de tête et puis voilà, généralement ça passe. Jamais eu de problème, celles qui ont eu des problèmes, elles ne vont jamais être postées. Voilà, je suis un peu comme Bismode 3 pour ceux qui connaissent. Moi aussi j'ai un chat qui va me faire chier quand je fais des vidéos. Casse-toi, pauvre. Voilà, alors, non, je suis pas méchant avec, avec mon chat. Donc voici la vidéo qui va vraiment expliquer ce qu'est ma chaîne. Donc premier point, même si ce que je disais. Excusez-moi. Premier point, je tousse souvent. En plus, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Et donc, ouais, alors je disais, en fait, j'ai un ordinateur chez moi. Ça, c'est un. Ça, c'est. Premier point, on va parler du matériel. Est-ce que je suis en normal? Ouais, je suis en normal. Donc, j'ai un ordinateur chez moi, mais. Comment? Enfin, j'ai que un ordinateur, j'ai pas de PS3, mais vous avez pu voir que je fais des vidéos sur PS3. C'est qu'en fait, elle est chez mes grands-parents qui habitent environ à 100 km de chez moi. Et donc, il faut, quand je vais chez eux, voilà, je fais mes vidéos de PS3. Et voilà, donc ça, c'est le premier point. Donc, c'est pour ça que les vidéos de PS3 sont même assez rares, à part les Batman Arkham Asylum. D'ailleurs, le tournage des vidéos est terminé. Elles sont toutes tournées jusqu'à l'épisode 16. Je vais peut-être aller à l'épisode 17, vérifier qu'il n'y ait pas de creeper. Donc, voilà. Du point de vue du walkthrough de Batman avec Arkham Asylum. Donc maintenant on va parler de ma chaîne en général et des vidéos de Minecraft, si le chat veut bien s'arrêter de faire des conneries. Donc mes vidéos Minecraft, on va aller dormir avant. Donc voilà, c'est dans ce monde. Donc déjà je vous encourage tout de suite les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, à aller voir toutes mes anciennes vidéos, si bien sûr ces Call of Duty et Batman Arkham Asylum ne vous intéressent pas, à zapper et aller regardez au moins celle de Minecraft. Donc là on va faire un petit tour du propriétaire. Là-bas c'est la maison troglodyte qu'on peut voir dans le trailer qui est totalement foirée, donc j'irai pas vous la montrer. Mais je voulais quand même montrer dans le trailer que bah personne n'est parfait, qu'on peut faire des erreurs. Creeper ! Creeper ! Oh non hein ! Oh ça commence bien. Je t'ai vu. Mais je sais pas ce qu'ils ont les creepers aujourd'hui. Oh là 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 là. Bon, bah voilà, ça va être un épisode reconstruction d'accident de creeper. Bon, je ferai ça à un autre moment. Alors, comment dire, donc oui, je vous encourage à aller voir toutes les anciennes vidéos sur que j'ai faites sur Minecraft, même Call of Duty ou encore Batman Arkham Asylum ou même les autres vidéos un peu hors sujet. Donc, pour info, en gros, ma chaîne, on peut les vidéos de ma chaîne, on peut les diversifier en 4 types. Les vidéos commentées de Call of Duty en différé. Donc c'est à la base en fait, c'est ça ce que je voulais vraiment, à la base je ne voulais faire que cela. Donc on va quand même, oui, en même temps, oui j'aime bien aussi, autre spécialité de ma part, parler de deux sujets en même temps, c'est j'adore, inverser un peu un sujet à un autre. Donc on va prendre le chemin de fer pour aller à l'endroit qu'on voit dans le trailer, et je regarderai le paysage, et il me faudra vos avis quand même, parce que je suis un peu en manque d'imagination, je l'avoue, et faut, le paysage je suis sûr il peut parler à certaines personnes. Donc aussi en profiter pour dire que ici avant il y avait une grande forêt qui a été totalement rasée par le feu. Donc j'ai réussi à stopper le feu et j'ai replanté comme on peut voir environ 4 stacks de pousses. Donc des pousses que j'avais collectées depuis le début de mon aventure, mais ça pousse pas des masses. Donc si vous avez des astuces sans mode bien sûr pour faire pousser ces pousses, un mouton va me saouler. Oh bah parfait, il s'écarte quand j'arrive. Donc les vidéos commentées de Black Ops sont différées. Ou de Modern Warfare 2, même si pour le moment je n'ai jamais fait, parce que c'est un peu plus compliqué au niveau de l'enregistrement. Avec en fond sonore une musique, je pense que je dois être la seule personne sur YouTube à mettre de la musique en même temps qu'il parle.
Je pensais que le résultat allait pas être super excellent au début, mais en fait, moi je trouve le rendu vraiment bien. Après, c'est mon avis déjà parce que c'est ma musique donc je l'aime bien. Forcément, si on n'aime pas ma musique, je pense qu'on doit pas être trop fan. Surtout que c'est un peu particulier quand même. Pour info, j'écoute du Slipknot, David Bowie, enfin du métal quoi. Je suis un métalleux, j'ai les cheveux longs et je gueule comme un taré quand j'écoute de la musique. La dernière partie elle est fausse, pour le reste c'était vrai. Et je joue de la basse au cas où il y a des bassistes dans le coin. Donc on va récupérer de la neige au cas où ce magnifique paysage et mon loup. Bon, bah, j'ai évité de le faire tomber dans le vide donc il va s'arrêter là. Donc voilà ce paysage là. Vous regardez le feu qui s'est arrêté. Ah non, il s'est arrêté assez loin quand même. J'avais peur en fait voilà que le feu arrive juste là. Donc j'ai un peu triché pour enlever le feu. Je vais dire mon terrible secret là en ce moment même. Je me suis servi de MC Edit là. Qui permet de modifier les blocs du jeu et j'ai supprimé les blocs de feu un par un. Donc quand vous dites que le feu était parti dans 5 directions différentes et que des énormément d'arbres étaient en train de brûler, ça m'a pris juste 3 heures. Il fallait préserver mon monde. Ça m'apprendra à pas faire de backup. Alors aussi pour continuer donc les vidéos différées sur ça sa première catégorie les vidéos différées sur les Call of Duty avec une enfin commentée en différé avec un fond sonore. Oui aussi je bafouille beaucoup mais bon ça c'est pas grave et encore une fois je refais le truc qui fait que je change de sujet toutes les 10 secondes donc si ça vous dérange bah, tant pis pour vous. C'est pas ça qui va me faire changer même si je vais essayer de faire des efforts. Alors deuxième catégorie c'est les vidéos commentées en live sur les jeux d'hiver. Et d'été d'ailleurs. On va oublier cette blague. Ouais, les vidéos commentées en live, ça n'importe quel jeu. Donc pour le moment, il y en a que deux vidéos. Non, je veux dire que deux vidéos, pas du tout. Il y a plusieurs vidéos dans cette catégorie, notamment vidéos sur Dead Space 2, vidéos sur Call of Duty Black Ops, Modern Warfare 2, vidéos sur Bulletstorm. Si j'arrive à faire le montage, parce que le montage bug. Une future vidéo sur je vais chercher du bois. Non, j'ai oublié des trucs à la maison. Ouais, donc une future vidéo sur Portal 2 qui devrait arriver un moment un autre. J'ai des bugs au montage et je vais essayer de la remonter. Puis si ça remerde, et ben on abandonnera la vidéo. Pourtant, elle était intéressante. Donc voilà, ça c'est les vidéos live. Après, il y a la catégorie qui marche pas mal. Enfin, avant bien sûr la dernière catégorie, celle qui marche le mieux je pense, la preuve. Hein. Donc troisième catégorie, la catégorie du mode du wakfu. J'arriverai jamais à prononcer ce mot mais c'est pas grave. Donc celle-ci, ça consiste à faire des wakfu. Pour le moment j'ai que Batman Arkham Asylum. Mais je vous assure, c'est loin d'être le seul que je vais faire. Même si après ça va être beaucoup plus compliqué d'en faire. Pour certaines raisons que j'expliquerai plus tard dans cette vidéo explicative. Des raisons que j'expliquerai dans une vidéo explicative pas du tout réverbatif. Ah, j'ai encore dit le mot réverbatif, je sais même pas ce qu'il veut dire, mais je le dis à toutes les sauces. Hop. Donc bien sûr, on bougera plus tard les coffres, mais là, oui, je bouge pour vous... Oh, et c'est bon, toi, je te donnerai à manger après, gros sac. Je parlais à mon chat. Oui, miaou, miaou. Alors... Non, on va éviter de jouer avec les câbles, merci. Oh purée, c'est la première fois que mon chat me fait chier autant sur une vidéo. Alors, ouais, donc la vidéo des Wakfu, donc là je sais toujours pas ce qui va arriver après Batman Arkham Asylum. Donc il y aura des difficultés l'année prochaine. Je vous dirai pourquoi, sauf que là il est en train de jouer avec les câbles de l'ordi. 30 secondes, excusez-moi. Voilà, désolé, je suis allé donner manger à mon chat, qui en fait avait à manger, donc... Voilà, il m'a dérangé pour rien. Donc l'année, donc le prochain Wakfu, donc je sais pas sur quoi et ça va être compliqué, mais je me débrouillerai quand même pour vous faire un minimum de vidéos. Alors, la dernière catégorie, bien entendu, c'est la catégorie de Minecraft. Donc Minecraft, c'est tout un tas de vidéos qui vont arriver là maintenant que j'ai été publié par Fantabob Friends, parce que j'attendais la publication en fait pour en refaire, étant donné que j'ai besoin de vous. Je vais pas faire comme un TerraCraft hein, non plus pour vous donner mes idées dues à mon manque de d'imagination, excusez-moi. Ici c'est déjà complet. On va pouvoir en faire des... comment ça s'appelle? Ouais, des blocs de neige. On sait jamais, hein, ça pourrait servir. Donc la prochaine neige elle ferait pas de mal, mais sauf qu'ici je crois qu'on est dans le biome encore nature, enfin forêt, et qu'il pleut.
Donc c'est pas grave, c'est de la neige perdue définitivement, contrairement à celle du biome. Enfin, du biome neige qui réapparaît en cas de neige. Donc les vidéos Minecraft, hein, diverses et variées, comme vous pouvez voir, des vidéos inintéressantes comme celle-ci et des vidéos plus intéressantes qui paraîtront ensuite. Avec le lot de fail hein, qui satisfait un homme. Et voilà. Alors, pour continuer, les informations qu'on me demande tout le temps et que je répète inlassablement, donc je ne répondrai à aucun commentaire posant cette question en considérant que normalement, parce que oui, ça aussi moi je trouve ça normal, quand on s'abonne à une chaîne, on va voir ses anciennes vidéos. Je trouve ça normal, c'est le minimum, moi, pour tous mes abonnés, à part les vidéos non commentées bien sûr. Par exemple, tous mes abonnements, il y en a 25, je regarde toutes leurs vidéos. Donc par exemple, je me suis abonné à Charlotte à tout prix, enfin, Evans, je crois, son pseudo. Bon, pour le moment, j'en suis qu'à la vidéo 8, mais je regarde en entier. En même temps, vous me direz, c'est une série, donc il faut bien voir en entier. Mais par exemple, d'autres youtubeurs comme Bismode, mon youtubeur préféré parce qu'il me fait vraiment marrer, et lui aussi, il a tout le temps son lot de problèmes. Ou encore Monsieur le V12 ou d'autres, enfin bref. J'ai regardé vraiment toutes leurs vidéos, 100% des vidéos. Je trouve que c'est le minimum. Donc, je considérerais que vous avez vu cette vidéo et que aucune info ne sera à donner. Elles auront déjà toutes été données. Alors, il va faire nuit. On va se faire un petit abri pour la nuit. Donc, pratique. Je sortais d'un minage optimisé. Qu'est-ce que j'ai à ne plus savoir qu'en faire? Du gravier, enfin là c'est de la cobble, mais j'ai vu que j'avais aussi du gravier, ça va être super utile le gravier pour faire un toit, hein, bien entendu, tout le monde sait bien connu, le gravier pour faire un toit, c'est le s'il y a de mieux. Pour les personnes n'ayant pas compris l'ironie de cette phrase, allez vous faire soigner. Alors, hop 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 hop, ouais, alors le toit, bon allez, donc voilà, je considère que cette vidéo a été vue, donc maintenant toutes les règles. Les questions à ne plus poser. Donc premièrement, le PlayStation Network. Mon compte, c'est Crozer666, donc Crozer K-R-A-U-S-E-R 666, c'est 666. Je peux pas encore dormir, donc on va regarder le chien. Bon, vous devez rien voir, hein. Bah, c'est pour ça que je fais pas de vidéo de nuit. Enfin, j'évite un maximum. Alors, le PSN, donc mon pseudo c'est Crozer666, vous pouvez me demander en ami quand vous voulez, jusqu'à ce que la limite soit dépassée, ce qui devrait plus trop tarder, là j'ai déjà eu une vingtaine d'amis depuis que je me suis lancé sur YouTube. Sachant que après, une fois que la limite est dépassée, je vais pas supprimer, je supprimerai automatiquement, ouais c'est ça. Si j'ai des amis qui achètent une PS3, ils passeront forcément, par exemple quelqu'un avec qui j'ai jamais joué, forcément je l'enlèverai de mes amis, désolé pour lui au cas où ça arrive. Et je le remplacerai par un de mes amis, un de mes vrais amis. Ensuite, je peux dormir maintenant? Oups, c'est pas là mon lit. Voilà, on va faire dodo. Après, autre remarque. Les invitations de jeu ou les messages. Désolé, mais l'harcèlement. Deux invitations. Non, c'est réglé. Hein. Si je reçois deux invitations en 30 minutes par quelqu'un avec qui j'ai jamais joué, immédiatement après, suppression des amis. Parce que bon, je suis un humain, et de toute façon, en ce moment, je joue beaucoup moins avec Call of Duty qu'avant, puisque je veux encore augmenter ma culture vidéoludique, qui est déjà quand même, on va dire, assez bien, sans vouloir me vanter, hein, qui est quand même pas faible. Mais là, par exemple, je joue à Line Noir, j'ai pas touché Call of Duty de tout le week-end, enfin très peu, pour faire une vidéo. J'ai dû jouer l'équivalent de 3 heures sur Call of Duty. Et donc je n'ai pas profité du double XP sur Black Ops, mais je m'en moque un peu. Donc voilà, demande d'amis, demande de jeu, si je suis... Voilà alors, les règles impératives. Si je ne suis pas sur un Call of Duty, ne m'envoyez pas de demande de jeu. Si je ne suis pas sur le Call of Duty sur lequel vous jouez, par exemple, je suis sur Modern Warfare 2, ou World at War, ou etc. Ne m'envoyez pas de demande de jeu. Par exemple, vous êtes sur Black Ops, voilà, si je suis sur Modern Warfare 2, on m'envoie une demande de partie sur Black Ops, ça va pas. Alors avant, vous pouvez m'envoyer un message, salut, est-ce que tu veux faire une partie sur Black Ops avec moi? Moi, si ça me dit, je viens la faire, si ça me dit pas, je la fais pas. Voilà, il y a ça. Ah, les règles sur le PS Network vont être très très longues. Donc après, si je suis sur un autre jeu, donc on m'appelle pas, après on marcelle pas.
Et si vous voyez, je suis dans une partie, on m'en envoie pas non plus parce que de toute façon je répondrai pas. Ou si, enfin vous m'en envoyez, non, je veux dire vous m'en envoyez une. Enfin si, voilà, vous m'en envoyez une. Si vous voyez que je viens pas, c'est que je suis dans une bonne partie, que j'ai pas forcément envie d'arrêter. Et donc il faudra attendre que je vous réponde et je vous dise attends, j'arrive, ou attends, je suis déjà avec quelqu'un, ou attends, j'ai pas envie de jouer avec toi pour le moment. Les solutions, ouais, les réponses sont vraiment. Il y a un panel de réponses très grand possible de ma part. Alors après, c'est à peu près tout, je pense, pour le PSN. Au pire, si je dois réprimander quelqu'un, je le ferai. Ouais, j'ai pensé à tout. Maintenant, on va passer aux questions techniques, toujours par rapport aux enregistrements PS3. J'enregistre avec un HDP vert, ça coûte 220 euros. Je peux pas vous donner plus de renseignements, à part que l'HDP vert seul ne suffit pas. Il faudra acheter un câble YUV PS3 avec. Moi j'en ai pris un connexion en or, c'est pour avoir quand même une meilleure fiabilité. Ça coûte 26 euros, je crois. J'ai eu à 26 euros, mais j'avais pris les frais de port supplémentaires pour que ce soit envoyé rapidement. Et voilà. Bon. Là, j'ai du PVR, c'est dit. Donc, de toute façon, je ne ferai aucun tutoriel. Non, c'est parce que je ne suis pas du tout pédagogue. Je n'ai pas la patience et tout. Alors, vous recherchez sur internet. C'est déjà bourré de tutoriaux. C'est pas à moi de faire ça. Maintenant, on passe au côté technique sur l'ordinateur. J'enregistre avec Fraps. Je sais pas quelle version. C'est un ami qui me l'a filé. Sa licence il y a longtemps. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit une licence officielle parce qu'il y a pas eu de mise à jour et tout. Mais je m'en fous, il me fait tiens, c'est un code Fraps. Moi j'ai téléchargé Fraps, j'ai rentré le code. Hop, c'est passé. Alors, déjà, ça c'est dit, j'enregistre avec Fraps comme environ 75% des gens qui enregistrent sur PC. Hop. On a complètement comment? Un coffre entier de boules de neige, donc on va faire des blocs. Donc j'enregistre avec Fraps, mon pack de texture c'est le mise à pack. Et il y a d'autres à dire, en tout cas s'il y a d'autres choses, je vois pas. Donc voilà, je vais commencer à faire ces boules de neige et je pense que j'ai tout dit, j'espère bien. Donc je vous invite à ceux qui ne me connaissaient pas de vous abonner. J'invite aussi tout le monde à voir mes anciennes vidéos. Enfin, pas toutes les anciennes, hein. Il y a 2-3 vidéos, les toutes premières sont pas intéressantes, mais à partir du moment où elles sont commentées, je vous invite à les voir. Quoi d'autre que je peux faire? Je me fais ma petite pub là. Ouais, abonnez-vous, allez sur mon Facebook aussi, bon, parce que là je l'ai un peu laissé à l'abandon vu que ça marchait pas, mais si pas mal de gens comment, me demandent en ami et tout sur mon Facebook, je pourrais peut-être redevenir actif sur ce Facebook là. Voilà, c'est tout est dit, je pense. Oui. Donc je vais voilà faire encore 16 blocs de boules de neige, de blocs de neige, même si je vois pas l'utilité que je vais en avoir plus tard, et je vais vous dire au revoir. Voilà, mes 16 blocs dans le coffre. Allez. Je vais vous laisser sur cette belle image pour que vous vous imprégniez de l'endroit dans lequel on va faire cette magnifique demeure, bâtisse. Bon, pas un château comme j'ai déjà fait avant, hein. Intérêt, mais n'importe quoi, ça peut être un truc suspendu, un truc dans la roche, même si mon expérience indique que c'est pas forcément mon, c'est pas dans ce dans quoi je suis le meilleur. Tout ce que vous voulez, je le ferai. Je signe, je l'ai encore dit.